livre de Thoth qui est le tarot. D'abord, il y a une légende qui dit que ces lames, toutes ces arcanes, parce qu'on peut appeler chaque carte du tarot, on peut l'appeler lame, on verra pourquoi, ou arcane, arcane qui veut dire le passage. Donc, ces lames-là, la légende dit que ça serait le livre de Thoth. Donc, qui était Thoth? Thoth était un être particulier qui serait venu, civiser le peuple de nomades qu'étaient les Égyptiens. Il leur a apporté l'agriculture, comment cultiver les crues du Nil, et bien sûr, aux initiés, il leur a donné la connaissance et très certainement toute la symbolique que l'on va retrouver dans les lames du tarot. Ce jeu a parcouru tout un chemin. Peut-être est-il arrivé aussi au moment où les Templiers ont été sur le temple de Salomon. C'est pas impossible non plus. C'est à peu près à ce moment-là que l'on commence à découvrir, que l'on commence simplement à découvrir la symbolique qui nous vient très certainement. Eh bien, maintenant, nous allons trouver, bien évidemment, la lame 8. Et là, de nouveau, on a un personnage qui est féminin. Et si vous regardez bien, on retrouve les yeux, ces yeux bleus vitreux. On l'appelle la justice. Elle n'émet pas un jugement. C'est une lame d'équité. La balance peut symboliser la psychostasie, la pesée des âmes. D'accord ? Elle est là pour faire régner le juste milieu des choses. Elle ne se sert pas de son épée comme une arme. Elle est là juste pour l'équité des choses. Sa coiffe est rouge, donc pleine d'activité. Elle cherche la justice, son jugement juste par rapport à son équilibre. Cette coiffe est surmontée d'une couronne couleur lunaire, mais à l'intérieur du rouge, il y a le soleil aussi. Donc, elle maîtrise les deux. Sa coiffe, ses boucles sont d'or. Les deux colonnes, elle est assise sur un trône qui est ni matériel ni immatériel, qui est dans la couleur de la vie, le vert. Sa robe est d'une partie rouge, sa cape est bleue, donc le rouge, l'activité va être intérieure. La cape grande posée sur ses jambes est bleue, donc le domaine de la spiritualité est en pleine activité. Et on voit qu'elle a l'or, le jaune qui correspond à l'or solaire, à la clarté des choses qui lui viennent. Donc il va falloir qu'elle trouve l'équité dans ce cheminement et qu'elle pèse la psychostasie, c'est la pesée des âmes, ce côté matériel et ce côté spirituel. Il faut qu'elle trouve un équilibre entre ces deux situations, matérielle et spirituelle. Abriting mal de tout, flot de ma jouvenesse, les fouilles de l'estiu, habillat portant d'or, cada dia un poc més, empalideix el sol, cada dia per a mi, allarga la seva presa.